Sabadi nempata, nempata malukau. Sabadi nempata, nempata malukau. Branco bai, preto bem, branco bem, preto bai. Sabadi nempata, nempata malukau. Les Portugais ont découvert l'archipel du Cap-Vert en 1460, 32 ans avant la découverte des Amériques. Les îles étaient inhabitées. L'Europe était déjà en quête de nouvelles terres, de nouvelles routes. Ils ont construit ici la première ville européenne en Afrique, au large des côtes de ce continent encore peu connu. La ville resta longtemps une place de choix pour acheter des esclaves baptisés, éduqués pour servir dans la maison d'un maître de l'autre côté, au Nouveau Monde. Ici, les hommes blancs arrivés en même temps que les hommes noirs n'avaient pas emporté leurs femmes. De l'union le plus souvent non consentie entre les maîtres et leurs esclaves, les premiers créoles sont nés. Ni tout à fait africains, ni tout à fait européens, ou peut-être un peu des deux, ou peut-être autre chose encore. Créoles, ceux qui sont nés là, nés de l'imprévisible. Comment gérer une mère noire et un père blanc dans un même individu? Comment gérer les langues africaines et la langue portugaise? Comment gérer les percussions et les instruments à cordes? Comment ont-ils fait, ces hommes et ces femmes, pour construire autre chose que ce qui leur était imposé? Au Cap-Vert, plus que partout ailleurs, la musique relie les lieux et les hommes. Elle relie les hommes entre eux. Elle redessine les territoires. Elle redit l'histoire. C'est une longue tradition. Mario l'explore. Il me propose de filmer l'enregistrement de son prochain disque. Créole. Celui-ci se fera hors du Cap-Vert, le long de l'ancienne route des esclaves. Il cherche à faire sonner l'écho de ses racines. L'écho d'autres cultures créoles. Il cherche à relier encore, plus loin. Corpus culpir, ancas di mossas, ossos di belgio, paraíso pira. La première chanson que j'ai enregistrée dans ce parcours créole, Mar de Tarrafa. C'est Mar de Tarrafa. Au Brésil, avec Milton Nascimento. Milton, c'est quelqu'un qui travaille la musique brésilienne dans toute sa dimension, en cherchant les influences africaines, indiennes, européennes. Il n'a jamais jeté rien. Lui. Et lui m'a dit oui. Chaque fois que je regarde la mer, j'ai la même sensation à Gorée, à Cidade Velha, à Rio, à Tarrafal, à Malecon, à La Havane aussi. La même sensation que les créoles, les métis, comme si nous étions fils de la mer. Le voyage au Mali a été quelque chose d'imprévisible.
parce que j'ai trouvé tellement de musique à moi dans l'autre, la musique de l'autre dans moi, ma musique chez l'autre, tellement que je dis ça c'est ma musique. Les Noirs qui sont venus, ils ont tout oublié dans le ventre du bâtonnier. Tout ça a disparu. Mais la créolisation et le créole, c'est la force de recomposer à partir des traces sans être prisonnier des traces. Il y a l'écho de la trace, mais on n'est pas prisonnier de ça. Ce ne sont pas des musiques qui vous fixent, ce sont des musiques qui vous projettent en avant. Et qui, pour avoir été sollicité par un imaginaire souffrant, qui a recomposé comme ça, et qui n'a pas hésité à aller loin, qui n'a pas dit « Ah, je ne me sers pas du piano, c'est un instrument occidental », ce qui aurait été absurde, c'est ce qu'ils auraient pu dire. J'aurais pu dire, moi je ne joue que le machin, parce que je ne joue pas de piano, je ne joue pas d'accordéon, je ne joue pas de saxophone. Eh bien, on n'aurait pas eu Don Byas, on n'aurait pas eu Charlie Parker, on n'aurait pas eu etc. No te lo pedí. Me voy. Silencio. Voy. Nous sommes descendants des rencontres des cultures. Donc il n'y a pas de musique étrange à nous. Et c'est ça que moi j'appelle le phénomène créole dans la musique. La grande vague est venue, la grande vague est partie. Je rêve de plus d'un îlot pour nous sauver la vie. Je vais le dire que j'aime ça. Waouh!